5:56 et aujourd'hui je vous retrouve pour un mini tutoriel sur les aptes compétences et comment organiser des barres de sort. Donc je vais déjà vous présenter pour l'arbre de compétences. Donc comme vous avez dû le constater, une fois que vous arrivez level 10, vous pouvez prendre une SP. Donc vu que moi j'étais Yacine, je pouvais prendre soit site maraudeur, soit le ravageur. Donc pour vous expliquer vite fait, le maraudeur est une classe exclusivement DPS, c'est-à-dire dégâts par seconde, un perso qui joue que sur le fait de faire des dégâts rapidement, et il joue avec deux sabres. Et le ravageur, lui, est une classe qui peut se jouer tank ou DPS. Mais vous devez savoir que ce n'est pas parce que vous prenez ravageur que vous serez obligatoirement tank. Donc pour vous expliquer si pour les arbres et tout ça, comme vous constatez, il y a trois arbres différents. Donc pour les SP qui sont en général tank, à gauche où c'est marqué immortalité défense, côté des chevaliers Jedi c'est défense, c'est l'arbre de tank. Celui du milieu, le vengeance dégâts, c'est un arbre DPS. Il y a la même côté chevalier Jedi, mais je ne me rappelle plus du prénom, du nom de cette spé. Et celle de droite est en général utilisée pour le PVP, qui est vraiment utile. Donc je vais commencer par vous montrer l'arbre DPS. Donc comme vous savez, il y a plusieurs au début petite case. Donc le conseil que je vous donne, c'est quand vous faites un arbre, vous le remplissez au maximum. Donc malheureusement maintenant avec la mise à jour, avant on pouvait, dès qu'on arrivait à 40, on remplissait tout l'arbre. Maintenant c'est 51, donc malheureusement il faut l'extension. Donc on peut constater, plus je clique sur les cases, plus l'arbre monte. Là, vous voyez, j'ai rempli l'arbre. Là, il reste encore des points à mettre déjà passés. Vous faites ensuite appliquer. Et quand vous constatez... Oh, désolé, petit bug. Sur l'arbre, j'ai cliqué sur deux sorts, qui est empalement, qui est ici. Et sur la forme chienne, qui s'est postée ici. Donc, quand vous... maintenant, pour expliquer pour les sorts, comme là, c'est un arbre DPS, vous organisez vos sorts selon l'arbre. Donc je vous montre, je vais vous montrer après l'ellipse sur un pour jouer avec juste 4 barres de sorts pour les non-abos. Je vous montrerai après avec 4 pour les abos et les privilèges. Donc je vous dis à tout de suite. Donc comme vous le constatez, j'ai enlevé ma barre qui était sur le côté. Donc pour voir les sorts, vous allez ici. Donc on sait pas les sorts liés à site. Donc celui-là c'est le sort de base que je vous conseille de tout le temps mettre en 1. Ensuite vous avez la fin d'issue qui était le deuxième sort que vous aviez là. Ensuite vous placez vos sorts comme vous le souhaitez. Donc pour l'instant je monte juste les sorts. Celui-ci peut être utile. Donc on va le placer ici pour l'instant. Lance-issue qui est aussi un sort que vous aviez. Puissance normale et votre buff, donc vous le mettez vers le bas. Représailles est aussi un sort. Retour de sable est un sort défensif. Saccage, un sort d'attaque. Le sprint, si vous l'avez, vous le mettez par là. Donc on vous sait déjà rien que quelques sorts de niveau 47. Ça déjà là, donc vous pouvez voir j'ai encore des sorts achetés. Sachant Assaut Fatal est un sort utile. Cri Glacial n'est pas un sort utile quand vous prenez l'aspect que j'utilise. Mais vous pouvez toujours le mettre. Défense Enragée est un sort qui réduit quand vous prenez aggro, qui réduit immédiatement votre animosité, c'est-à-dire le fait d'être focus. L'empalement est le sort que vous avez avec votre spé.
la forme chaînette. Le sort que vous avez vu avec votre spé. Il y a le lancer de sabre. Mise en rage qui permet d'avoir des points de rage. La poussée de force qui est notre sort. La provocation ne sert à rien du tout. Ni même protection, ni même forme sur et dessous. Comme vous faites DPS. Rage infinie. Est aussi un sort. Ah, non, c'est un passé, c'est vrai. Il y a tolérance douleur. Et voilà pour les sorts. Donc vous souhaitez, vous organisez vos sorts comme vous le souhaitez. Vous mettez vos sorts d'attaque où vous le voulez. Donc si je peux vous montrer sur une branche à 4. Et maintenant, je vais vous montrer sur une branche normale. Donc, où est la branche que j'utilise? Ça. Et donc vous voyez là, il y a plus de place. Je vais juste faire éditer pour désactiver. Les autres barres, parce que vous pouvez le constater, quand on fait une spé, on peut avoir, quand on est abonné, je veux dire, on peut avoir 6 barres et les non-abonnés 4. Moi, je joue qu'avec 4. Donc là, vous pouvez mettre votre forme chienne quand vous êtes avec les 4 là. Le sprint, je vous conseille de le mettre en dessous, de l'activer. La puissance anormale, vous la mettez ici. Le sort comme tolérance douleur, vous mettez par là. Mise en rage, pareil. Défense en rage aussi, je vous conseille de mettre par ici. Ensuite, grouillement tumultant, vous le mettez aussi par là. Et donc là, vous pouvez rajouter plus de pouvoir. Donc par exemple, quand vous arrivez à un social 1, vous avez pas social 1. Quand vous arrivez à un certain niveau, vous savez, il est où ce sort? Bon, déjà, il y a le voyage rapide que vous mettez par là. Ceci est un sort de PVP. Où est le sort? Voilà, instant héroïque. Vous le mettez par ici. Ah oui, vous pouvez aussi prendre les medipacks et les mettre sur votre barre. Ce qui est vraiment utile. Il y a aussi la disruption qui est un sort que vous devez mettre, que j'ai oublié de mettre. Et donc, on peut constater ici, vous avez des sorts que vous avez avec l'héritage. Donc, qui s'utilise, il y en a, c'est de là, qui est du l'inquisiteur, et celui-là, du guerrier, qui en fait, quand vous utilisez l'instant héroïque avec votre partenaire, vous pouvez balancer la tempête d'éclair d'héritage et l'étranglement. Donc, ensuite, vous pouvez mettre votre vos speeders. Moi, j'ai un accélérateur, bon, je vais le mettre par là. Et j'ai aussi un étudiant à tech, un stablonx pur et un tonton. Ah oui, il y a aussi un sort que j'avais oublié. Il est où? Oh là, dis donc, qu'est-ce que je fais? J'ai des sorts qui ont disparu ou quoi? Ah oui, N-canalisé qui est aussi un sort pour récupérer vos points de vie. Donc on peut constater, vous avez déjà mis des sorts. Ce qui fait que vous avez une barre de sorts qui est beaucoup mieux. Et maintenant, je vais aussi vous montrer sur la map. Pour ce respect, il faut aller aux autres sorts de combat. Et qu'on peut constater, ici, il y a agent impérial, là il y a chasseur de primes, inquisiteur, guerrier tout au fond. Donc c'est juste ici. Vous pouvez parler au moteur des compétences. Laborum Anga. Mani Nika. Magnaya Mam Nikam Gam. Qui vous dit ça? C'est exactement vous ce qu'il faut. Donc les sabots, eux, ne payent pas du tout pour ce respect. Donc vous pouvez aller. J'ai de nouveau tous mes points à mettre. Donc là, j'ai juste bien choisi mes.
te remettre. Oui, il y a aussi ceci qui permet que les trucs commandent plus canalisés. Il y a plein de sorts à utiliser. J'ai des nouveaux sorts. Et donc, quand on est en spé, donc on met la forme Soretsu et la protection. Et donc là, oui, je vais organiser encore mes sorts. J'organise mes sorts comme d'une certaine façon. Et pourquoi est-ce que j'ai deux fois ce sort là? Bon. Donc si vous avez compris le principe. Ensuite, quand on est temps que vous prenez justement les sorts provocation. Crime le sang. Ah oui, ça c'est un sort d'agro zone. Excusez-moi, je suis en train de regarder les sorts que je prends. Je vais ici. Non, pas sûr. Donc vous avez compris, vous pouvez changer vos sorts à volonté, les emplacements. Donc je vous conseille de bien faire un art par rapport à comment vous jouez. Car vous verrez que ce sera toujours très utile. Vous voyez comment j'organise mes sorts par rapport à comment j'étais joujou. Destruction qui dansera. Je mets mes sorts de provocation là. Mon sort qui a dû m'édommager ici. Avec ça. Ah, pourquoi il me double à chaque fois? Alors, plus les sorts qui ont disparu. Donc, vous aurez compris les bases. Pensez. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous en montrerai sûrement d'autres pour les spé heal d'autres classes. Donc sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre des petits pouces verts, des commentaires. N'oubliez pas de garder la bretonne attitude. Et je vous fais plein de bisous partout. Et je vous dis à la prochaine.